Et c'est chalet. Ok. Eh ben, j'aime bien. Vous voyez, ça me fait plaisir, ça. Ça, ça représente la France. La France de tout le monde. La France qui se réveille le matin pour aller sur des ronds-points et pour se battre contre des retraites. Ok. Ça, c'est la vraie France. Moi, c'est la France que j'aime. Ok. 450 mètres carrés à Courchevel. Ça. Ça. La France qui travaille. Ok. Prenez-en de la graine, bande de petits fils de p***. Remember it. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce crosshair? Mais... Ah, j'ai envie... Oh, putain. Ah, j'ai envie... Lui, je sais pas qui c'est, j'ai envie de le niquer. Lui, direct. Alors, lui, j'ai envie de le niquer. Oui, il y avait un Jäger devant le truc. Oh là là. Oh là 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 là. Mais y'a rien! Y'a rien, frère, qui va se déplacer en bas là, ton crosshair placement! Mais mec, c'est pas Ratatouille qui va te décaler, enculé! Vas-y donc! Hé! Non, non, non! Yes! Bravo, un gadget! Un partout. Mais c'est quoi ces mecs là? C'est des membres du staff. C'est les membres du staff, c'est pas possible. Non mais moi je peux pas faire preuve de bienveillance et dire bravo Jean-Claude. Je peux pas, venez pas les gars sur le live, je vais... Oh, je peux pas faire preuve de bienveillance. Je vais vous le dire que vous puez du zboub les mecs, franchement. Mais toutes ces décales, elles sentent le fromage. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça plante. Et ça plante. Mais fais quelque chose. Mais il est mort, il a une syncope. Ah, il bouge. J'ai 202, j'ai 202, bah pas de QI déjà, ça on en est à peu près sûr, j'ai 202. Non, arrête, j'ai 202, Minecraft, joue à Minecraft, franchement frère, Minecraft c'est bien. Tachanka, oui, ah bah oui, quitte à rien faire, autant brûler les gens. Waouh, oui, ah bah oui, pas de shield, ce serait con. Bah ouais, oui, renforce là. Si. Vas-y, renforce. Renforce tout. Ah, y'a rien qui va. What? Oui, sur la trappe. Là, c'est bien. Oh nom de Dieu. Oh, vous avez mis un. Vous avez mis un. J'espère qu'il regardera pas la VOD. J'ai 202. Je suis désolé, frérot, je t'ai mis 0. 0, 0, 0. Non, non, vraiment. Mais c'est un 0 bienveillant, ok? C'est un 0 bienveillant. C'est un 0. Bah, de toute façon, tu peux pas faire moins bien. Quelque part, la vie devant toi, il y a plein d'opportunités. Galoupo. Oula. Oh, dites donc. Oh. Oh oui, des talks. Yes. 7. 8. 9. Ah, 9. Mais c'est quoi tous ces déplacements là? Et le drone? Le drone. Tous les drones sont morts! Eh, vous me faites chier, hein. Il y en a, là. Vous... T'aurais pas des conseils pour jouer à Rainbow Six? Les drones, toujours, en fait. Toujours.
Tant que vous êtes pas diamant, me faites pas chier. Vous trônez, ok? Oh bah oui, mais le plus proche. Histoire qu'ils sentent bien les l'un l'autre. Bah ouais, forcément, ouais. Eh, oh, comme ça, faut pas. Ah oui, pour que le planteur de la bombe se fasse comme ça sur le côté. Le mec, il joue à Tetris. 1-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 
C'est idiot, non? Et là, à gauche, y'a personne pour toi? Ah, tu me fais mal. What? L'effet tunnel. Mais t'es vigile, frère! Pourquoi il tire dans les... Ah, tu te balades trop. À Castillo, tu m'as pas l'air mauvais au niveau de tes mécaniques et tout. Mais tu te balades trop, là. Tu t'aurais dû te faire sécher 16 fois, déjà, hein, si les joueurs, ils étaient bons. Il a pas l'info que ça plante. Personne ne lui donne l'info que ça plante. Mais comment c'est possible, ça? Mais comment c'est possible? C'est G202. Il a jamais entendu le bruit de la plante G202. Non, franchement. Bon, quelle note du coup pour Acastillo, le vigile? Les mécaniques sont bonnes, on sent qu'il y a machin, etc. Mais en revanche, attention, avant tout, avant les mécaniques, dans le logique de roaming, là, il faut faire... On peut pas être en mode on se balade comme on est en train de se balader, quoi. Il faut savoir aller se mettre à un endroit, mettre la pression, revenir, etc. Là, c'est de la balade, là. Là, on est passé dans 650 lignes dans lesquelles on avait, sur lesquelles on avait aucun contrôle. Ça passe contre des silvers et contre des golds. Après, ça va commencer à dire... Oh, je comprends pas. Avant, ça passait, maintenant, ça passe plus. Ça passe plus au-dessus. 4. Je mets 5. Aïe, 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 ouais, 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 mais fais gaffe quand même. Il faut chez Copic, là, faut faire une petite décale quand même pour être sûr. Bah ouais, loulou. Axe Dinx, là. Ouais, on voit des disques, plutôt. Aïe, 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 attention. Mais il y a ton pote, là. Et ton impact, elle est ace. Les impacts, les mecs, vous changez le cours d'un round. Le cours d'un round. Le premier ace pète, vous envoyez votre impact pour que ça pète le deuxième ace. Et ça va changer le cours d'un round entre un endroit par lequel on peut regarder avec un endroit par lequel on peut passer. C'est assez important quand même. Impact, c'est à garder contre ace, merde. Bon, il a le charme de la Salty Academy, j'avoue. Je suis obligé de lui mettre la moyenne. Ah non, on l'aurait bien aimé le Capitao. Tes impacts, frérot. Il va mourir avec ses impacts, on parie ou quoi? Ok. Axe Dinx, en avant. C'est passé dans des lignes dans lesquelles il n'y avait pas à passer. Ça respecte pas les attaquants. Mais ça prend Wamai, ça a le charme de la Salty Academy. Ça met les disques. C'est déjà... Il y a une volonté de gagner quand même. Allez, 3, 2, 1. Vous avez mis 5, j'ai mis 4. Qui ne joue pas pour gagner? Mais plein de gens, plein de gens. La majorité des personnes ne jouent pas pour gagner, tu sais. Il joue juste pour s'amuser. Ok! Typo Saki Sensei, say! Typo Saki! Doucement quand même, l'autre. C'est bon, et l'autre il est parti en mode frag movie là. Ouais, là on est en train de s'enflammer un peu quand même, hein. Il pourrait se faire sécher. Je vais partir du principe qu'il est en mode tranquille, en train de s'amuser. Toutes ces lignes là, elles sont dégueulasses. Il aurait pu se faire sécher 5 fois sur cette ouverture vers l'extérieur. Donc là, on respecte pas vraiment les adversaires. Bon, on a compris quelle était la ligne du bonhomme, puisque la cam venait de se casser, ça peut venir que de là. Et les attaquants, en revanche. Il a des bonnes. Il a un bon aim.
What? C'est un, c'est une tête, ça? Ça pue du cul. Wallach. Ça va. Ça va, même si ça fait un peu le fanfaron et que ça va bien parce que le niveau est pas ouf en face. Parce que dès que le niveau sera supérieur, il va se faire sécher de partout. Là, vous avez mis entre 6 et 7. Ouais, bah moi j'ai mis 5,5 pour les raisons que j'ai données. Ouais, faut pas trop qu'ils s'enflamment les gens là. C'est un peu du bullshit ça, hein, le truc de ça aide à digérer. Alors, il n'a pas autant d'impact qu'au Mexique où là-bas il se baptise au coca, mais quand même. Eh, hey, Jérémy, là tout à l'heure j'ai rien dit. Et bah là c'est bien fait pour ta gueule, Jérémy. Jérémy, je suis désolé, mais je suis pas désolé en fait. Tu vas te prendre une sale note parce que tu fais pas gaffe et tu viens d'avoir, voilà, la démonstration parfaite de ton fail check dégueulasse au niveau de la porte main qu'on joue pas comme ça. Je suis désolé, on respecte l'adversaire. Un Castillo. Donc du coup, combien vous avez mis pour Jean-Maurice là? Jérém, 3, 2, 2, 3. Ah bah voilà. Eh bah il se couchera avec 2,5, les mecs. C'est bien 2,5. Oui, oui. Mais oui quoi? Oh là là, mais Jérémy. Ah ouais, bah c'était bien la peine de time-out. Hein. Bon les gars, franchement, je pense que... faut que je te TK. Voilà, parce que t'es beaucoup trop con. Le seul qu'on voulait voir, il s'est fait défoncer par Jérémy, qui a pas supporté d'avoir un 3 sur 10. On va aller voir G202 parce que là c'est... Là c'est folklore. Il va revenir voir le truc, c'est... Bah ça marche pas. Ah bah là ça marche. Oh bah ouais, hein, quitte à choisir décalage à droite ou à gauche. Oh, toujours dans les couilles. Hein. Oui. Oui, toujours. Bien au niveau des couilles, en plein milieu. Comme ça, bah voilà, Galoupo a perdu une testicule. Super. On aurait pu mettre une tête, hein. Mais non, on se contente d'une testicule, c'est pas mal. Oh oui, eh. Oh bah, eh. Chez Copic, là. Droite-gauche, il y a tout dans ce joueur. Oh là là. Grosse ouverture, hein. Oh là. Oh, oui. Ah bah, il a découvert le W. Il sait pas ce qu'il regarde. Ça se trouve, il y a rien. Ça se trouve, c'est... Drone enculé. T'as un drone. Drone. Et il nous le refait dans l'autre sens et tout. Mais c'est pas possible, des gens comme ça. Mais c'est quoi ce crosshair placement au niveau de la motoneige? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Pré-shot, t'as raison. Tac-attac. Fais des maracas, enculé. Bah voilà, t'es tout seul. 1v4. Bien joué! Il est level 27 après, tranquille. J'en ai rien à brûler, ok? J'en ai rien à brûler. Quand on vient ici, c'est pour s'en prendre plein la gueule, ok? C'est le concept, c'est la Salty Academy, ok? C'est pas l'Académie Salty. D'abord, c'est Salty. Et puis après, Académie, bon bah, si... Voilà quoi. S'il en reste...